Bonjour à tous, Doujamande avec vous. Aujourd'hui, c'est un tagine au poisson. On procède de la manière suivante. Donc, dans un faitout ou bien dans un tagine, je fais revenir quelques oignons en lamelles. J'ajoute quelques tranches de carottes, puis quelques tranches aussi de pommes de terre. Je sale et je poivre. Je remets une petite couche encore de pommes de terre. On peut ajouter les légumes qu'on aime, les légumes qu'on souhaite rajouter. Je ressale encore un peu et je poivre aussi. Je mets quelques lamelles de poivron rouge. On peut mettre les verts ou bien le jaune. Après, je prends un petit bol. Je mets 2 gousses d'ail écrasées ou 3 gousses d'ail. J'ajoute 2 cuillères de coriandre et persil. C'est un mélange. Je mets une grande cuillère de concentré de tomate. Une demi-petite cuillère d'harissa, c'est facultatif, on met ou on ne met pas. Après, j'ai du sel, du poivre, du cumin et du paprika, un quart de petite cuillère de chaque. J'ajoute de l'eau dessus, on va dire un verre d'eau. Je mélange tout ça. Puis je viens arroser les pommes de terre, bon les légumes, avec je mets la moitié. Puis je mets mon poisson que il est déjà coupé en tranches, c'est du bar que j'utilise. Donc je l'avais mariné pendant 6 heures à peu près. J'ai mis du sel, du poivre, du paprika, un peu de cumin et de la coriandre en poudre avec un peu d'huile d'olive et j'ai laissé mariner pendant 6 heures. Donc je place mon poisson au-dessus des légumes et puis je rajoute la sauce restante. Je mets quelques tranches de citron sur le dessus, je mets le couvercle aussi et puis je laisse cuire pendant une trentaine de minutes. Après ce temps, on voit bien que c'est un super bon plat, vraiment très bien parfumé. Donc comme c'est un plat en sauce, il se mange soit avec du pain, soit avec un riz blanc. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne.